كي دايره صافا الحمد لله كلشي بخير اش كتعاود كي دايره مع الصحيحه احنا بركي كنصوروا في هذه الاذاعه اللي قلت لك الناس كيعجبهم كيعجبهم الحال بزاف الله يبارك فيك مهمتي جا عندي وايت بي وما كتعرفيش وايت بي انت راكي شرفتي معروف 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 Ça gagne à Montréal. On est là en live de l'Olympiade de Montréal. Et juste avant qu'on commence cette émission incroyable, accueillez non seulement mon co-animateur, mais surtout ce stand-up de génie, mesdames et messieurs, Oussama Farès. T'as vu ou pas, Nas? T'es incroyable. Check un swag. Waouh là là, hein? J'ai envie de te fumer. Un dealer de Westmount. Ils sont pas sérieux avec leurs horaires, hein. T'as vu leurs éthiques? Appelle-moi pas après 8h. Je t'appelle à quelle heure, frérot? À 10h, matin, AM. Les gars ont des horaires de banque, bro. Ah non, faut qu'on arrête de fumer du deck. C'est pas sérieux, bro. Les bails dead pink, tout. On a check des noms, bro. L'autre fois, on a fumé un truc, moi puis Anas. On l'a fumé jeudi. Anas s'est réveillé dimanche. C'est vrai, bro. C'est vrai, bro. Puis on met toute notre cope dans le weed, on met jamais notre cope dans la bouffe, tu comprends? Puis moi, je vais vous checker un conseil. Jamais acheter du dingue avant de la bouffe. Parce qu'après, tu munchies, bro. Puis en munchies, tu deviens automatiquement la pute de quelqu'un, frérot. Tu sais, qu'est-ce que j'ai déjà fait, moi, pour un junior au poulet? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Voilà, oh, c'est Starfall là, ça. Non, c'est rendu à me faire paranoïe, bro. T'as envie de fumer un buzz, t'as envie juste de relaxer avec un boy, tout ça. Et on est là, c'est posé, on fait même. Yo, je prends 4 pofs, bro. Je suis là tranquille sur le canapé, j'entends Trust No One, tiens. Comment trust no one? Je me tourne vers Anas m'a lagué, yeah, bro, trust no one. Comme si lui, il est à l'aise, lui. Il est confortable dans les voices dans sa tête. Tu sais, qu'est-ce qui est bizarre aussi? C'est fumer un buzz puis tu lègues des rappeurs. Ça, c'est bizarre. Parce que tu comprends, quand tu fumes un buzz, tu réfléchis trop, tu commences à surpenser, tout ça. Puis là, les gars, ils te montrent des fois leur beat en exclusivité. Tu comprends? Là, tu vas me dire, qu'est-ce que tu sais, tu es la dette, t'écoutes ça en exclusivité. C'est ça le problème, bro. Parce que quand les gars font rimer content et content, puis là, t'es juste avec eux dans le studio, puis tu dois dire, quête, c'est la dead, bro. Quête, bro. Puis il y a toujours un ami fraudeur qui est bon, fraude, il est pas bon, rap, bro. Pourquoi c'est lui qui donne les conseils, bro? C'est très difficile d'avoir un sens critique avec des gens armés, si on prend. Le savoir est une arme, le 9 mm aussi, frérot. Hein? Moi, je n'ai rien à foutre que cet album il sorte, frère. Je veux sortir vivant de ce studio. Des fois, j'ai chillé avec des rappeurs qui font plus de rap, en tout cas un squad de rappeurs qui fait plus de rap. Puis là, on a pop une MD. C'était bizarre, tu comprends? Déjà, tu vas me dire pop une MD avec des rappeurs, c'est pas le truc qu'on fait, tu vois? On était juste là, plein de talk, bon, on a pop une MD. Puis oh, il y a un partenaire qui a commencé à catch feeling, il a commencé à avoir des sentiments, tu comprends? Puis c'est pas bon que les gars de la rue, ils ont des sentiments, ils sont pas trop habitués, tu comprends? Fait que là, il y en a, il s'est mis à cry, tu comprends? Il s'est mis à cry parce qu'il filait l'ambiance, tu comprends? Il a commencé à pleurer de. Quête, bro, c'est nice, on est ensemble et tout. Puis on dirait à un moment donné, il y a eu de la lucidité. Il a dit, oh, yo, les gars, je vous file et tout, bye. Mais si ça sort du studio, les gars, je suis obligé de vous tirer, tu comprends? Puis on était là, yeah, bro, t'inquiète, bro, t'inquiète. Bois de l'eau, bro, bois de l'eau, bro. On était là, tiens mes grills, ok, tiens mes grills. Tout ceci n'est que de l'humour. Les rappeurs, restez postés avec moi, s'il vous plaît. Oussama Farès, mesdames et messieurs. Je stresse. Tu la dette. Ça paraît que tu stresses. Yo, d'abord, on va expliquer quelque chose à tous ces gens-là, OK? On est incroyablement bien installés à l'Olympia, mais tel que vous nous voyez, on fait nos stand-up devant personne. Il y a moyen que tu montres il y a combien de gens dans la salle ou c'est comment? Toi, tu peux pas montrer. Frérot, il y a personne, OK? Tous les gens ici, je connais leur couleur préférée, je connais le prénom de leur maman. Il n'y a pas de public ici. Donc, ouais. On est en train de faire ça comme des humoristes comme a cappella, bro. On est en train de faire ça devant 100 publics. C'est dur, oui. C'est dur faire des blagues sans gens. On aurait dû faire un DEP. On aurait dû faire de la musique. Je te jure. Live, on aurait déjà fait un cob avec Spotify. À vous, hein. On aurait fait des sous. Là, on est là, bro. On n'a même pas de chaîne. Tu sais pourquoi on s'est fait avoir? Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que c'était cool d'être humoriste. Nous?
Ouais. Mais on savait déjà jeune que rappeur, c'était plus cool. Mais rappeur, c'est cool, bro. Maintenant, tout le monde veut être rappeur. Plus personne veut être stand-up. Non, là. Non. T'as déjà réussi à spit? Oui, toi, tu étais capable de spit. Ouais, moi, je spit un peu, mais... Il a pris une dépense. Mais bon... Ouais, non... Frère, j'ai le niveau en rap d'un gars qui va au cégep au vieux, là. Je suis pas là, là. Ah, mais moi, je suis à moins 1000. Quand je rentre, des fois, le micro, il se désassemble. Il est pas si sage. Eh oui, ah, j'ai déjà vu des filles dans des clips de rap, t'as commencé à rapper, ils se sont dit, faut que je reprenne le contrôle de ma vie. Bah, moi, c'est là, et voilà. Non, mais voilà, on s'est fait avoir. Je me suis rendu compte qu'être humoriste dans le coolness... C'est pas... Ça fait pas baiser, humoriste. Mais non, on est à côté de l'intervenante sociale, là, dans l'échelle de comment on c'est est... cool. Ouais, c'est écrasé, là. On est comme des gars qui font de la slackline, là, dans l'art. Mais oui. C'est le même business, là. Être médecin, ça, c'est cool. Être médecin, ça, c'est fou, ça. C'est fou, nous, on a notre boy, la Houd, énorme shout-out à ce gars-là. Neurologue, 27 ans. Ouais. Faut que je touche du bois à chaque fois que j'en parle, parce que sinon, je lui envoie un méga haine interstellaire. Mais frérot, tes yeux sont trop bloqués pour sa carrière. C'est fou, lui. C'est fou, parce que ce gars-là, il vient du même quartier que nous, tu comprends? Il vient de Montréal-Nord et tout. Puis nous, c'était toujours ça, notre excuse. Ouais, on n'a pas fait médecin, parce que tu comprends, Montréal-Nord. Bah, Montréal-Nord, le Houd. Patna est sorti neurologue. On a pris ça. Il a crasé les excuses de tout le monde. On a pris ça. C'est quoi ton autre choix si tu faisais pas humoriste? Mon autre choix? Hein? Yo. T'as travaillé au garage de ton oncle? Non, j'allais organiser des combats de migrants illégaux. J'allais faire se battre des gens sans papier dans des sous-sols d'église. C'est incroyable, non? C'est un beau business. Moi, j'aurais pris les paris. J'aurais été ton bookmaker, c'est ça qu'on dit? Eh oui, le bookie. Yo, je crois qu'on est passé à côté de notre destin, bro. On l'a dead, man. On m'a fait humoriste. Là, c'est fou quand même. Ça a tout dose et tout, mais... Là, live, on dit live, on dit... En un clic, tu deviens médecin. Tu lâches tout ça? Voilà que j'y pense pas deux secondes. En fait, non, parce que c'est trop de responsabilité. Être médecin? Ouais. C'est vrai que humoriste, c'est un métier irresponsable, ça, par contre. Pour être un fou humoriste, faut que t'aies des problèmes d'alcool. Ouais. Sinon, c'est toujours le partenaire qui a pas deux chaussettes pareilles. Ouais. Qui vient avec un vieux calepin. Mi Benson, là. T'as remarqué, il y a toujours du gras de pâte haïtien dans ses cahiers. Il y a toujours des tâches, deux, trois tâches d'huile. Y a que du humoriste. Y a que des folles blagues qui sortent de là, bro. Dès que tu vois un humoriste avec du surligneur et tout, c'est fini, bro. Oh, merde. D'ailleurs, notre invité, comment il est incroyable, ça, c'est un gars que ça paraît que c'est le rap, parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est la rue, la vraie, bro, tu comprends? C'est le real. Ouais, c'est le real. C'est dicté, je crois que ça donne mal à la tête, si tu regardes ça. Tu comprends? C'est un gars qui n'a pas le choix de rapper, mon cher, qui est avec nous dans le terre-terre. Qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui, bro? Monsieur White B, mesdames et messieurs. Quatre, là, on l'a reçu. Ouais, incroyable. Il est venu. Je pensais pas qu'on allait être recevoir. On n'y croyait pas. On ne croyait pas qu'on allait être recevoir. Qu'est-ce qui se passe, mon beau, bro? Tu vas pas me step, là, pour le numéro? Non, je vais pas te step. On est good? J'ai déjà tout oublié, c'est bon. J'ai déjà tout oublié, Yadi. Le bro, c'était trop loud. Faut qu'on remette en contexte, juste avant qu'on se mette ici, parce que c'est quand même historique ce que t'es en train de faire. Yeah, man, yeah. C'est quand même fou, là. C'est fou, ça, bro. C'est fou. J'essaie d'être cool, les gars. J'essaie. C'est fou. Bro. Déjà, disque d'or. Double, deux fois. Disque d'or double dans le rap. Single d'or. Faut rectifier. Mais ça reste quand même fou. Ouais. T'as fait disque d'or dans le rap à Montréal. Ouais. Disque d'or avec un message que la... Sans radio, hein? Sans radio, c'est-à-dire un message que, j'ai envie de dire, pas la norme, mais disons, un message que la majorité n'est pas toute prête à entendre. Plus réel. Plus réel, ouais. Comment tu le vis? On le vit bien, on est là. Regarde où on se ramasse, frérot. C'est fou, hein? On est ici aujourd'hui, on est invité par les deux plus grandes stars humoristes. Il faut qu'on soit voyé plus souvent. C'est fou. Là, t'as sorti ton album, Double Vision. EP. Vous avez plein de termes, le musicien, que le public, il comprend pas. Mais bon, c'est juste que tu veux ton truc. Faut apprendre. Ouais. Il y a EP, mixtape, album. Okay. Oh, EP, c'est pas pareil que mixtape? Non. Pourquoi, c'est quoi? EP, c'est un petit projet. Combien il y en a sur le tien? 8. Nice. 8. Donc, c'est un EP, Double beat. Vision, ou c'est une mixtape? C'est un EP. Un EP. Ouais. Mais ça aurait pu être un album? Non. Non? Pourquoi? Parce que c'est pas l'effet album. L'effet album, tu vas voir. Quand tu vas voir, tu vas voir. OK. C'est quand que l'album sort? T'inquiète. Tout est secret. White Bee fait des entrevues avec son avocat. Hein. T'inquiète. Là, il y a son avocat derrière. Il est là derrière. On répond pas. C'est fou, ça. Tu y croyais?
Tu croyais au début quand tu rappais dans un sous-sol ou quelque chose comme ça tu... Ben, c'est pas que. Non, parce que c'était jamais vu, bro. Ouais, ça n'existait pas. Je peux pas dire qu'on y croyait, mais on croyait en nous. Ouais. Ça, je pense que c'est la base. T'as commencé à quel âge, bro? 16 ans. Quand même tard, bro. Ouais, 16 ans. Maintenant, c'est fou, t'as remarqué, les petits jeunes, ils commencent à... Tôt. À 16 ans, ils ont déjà des clips dehors, là. Que... C'est fou. Moi, à 16 ans, je faisais des freestyles. On n'avait pas l'argent encore pour faire des vidéoclips ou peu importe, là, on était sur le corner, dans les ruelles. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi c'est rendu plus accessible, les clips, pour les jeunes? Il y a plus de gars qui font des vidéoclips, il y a plus de gars qui font... dans le fond, l'industrie, elle commence à être plus florissante. Bah oui. Il y a plus de tout. Il y a plus de rappeurs, il y a plus de beatmakers, il y a plus de gars derrière les caméras, il y a plus des gens qui veulent pousser des artistes. Peut-être que le gars qui a 16 ans, il y a quelqu'un en haut de lui qui est un peu plus vieux, qui a les moyens de pousser un peu plus sa carrière. Ouais. Je pense que c'est l'industrie qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus accessible. C'est fou parce qu'on parlait de ça, mais les jeunes, maintenant ils font... Pour moi, là, ils font de l'argent dans le street, puis ils l'investissent dans le rap. C'est fou, ça. C'est fou, quand même. Tu comprends? Ils croient en eux. Ils croient, tu comprends? Puis ça, on l'a vécu aussi. Puis merci, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être là, tu vois. On est là aujourd'hui. On vit de la musique. Exact. Puis c'est possible de le faire. Ça, c'est un message à tous les jeunes qui sont dans la musique, etc. C'est possible de vivre de la musique. Mais oui. De vivre... C'est ça que vous incarnez comme message, vous, en fait. En Montréal, vous êtes là. Exactement. C'est eux. Après, il n'y a personne, pas grand monde. Sûrement, c'est des gars. Il y a quelques personnes. On est plusieurs à Montréal qui peuvent servir d'exemple pour les plus jeunes. Exact. Ouais, ouais. Mais tu sais, il y a Soldia, il y a les gars un peu de canicule, tu comprends. Enima, naturellement, mais Enima, il n'est pas au Québec présentement, tu vois. Ouais, mais c'est quand même. Il représente ça, le duo Montréal. Ben oui, puis il était là tout le long que. Tout le long qu'il y a eu l'éclosion vraiment du rap, c'est aussi c'est quelqu'un vrai. Qui a... C'est Enima 514. Moi, à cette salle-là, je vous avais vu... c'était Caris, vous étiez en première partie, Caris et tout ça. Ouais. C'était fou, l'Olympia, quand ça, il fait son verse avec Enima, puis... Puis LK. Puis ça dit... Ratatata. Ouais, non, c'était fou. Ouais, c'était fou dans la tête. Ouais, c'était fou. Mais à partir de ce moment-là, ça a décollé. Moi, j'ai l'impression, la première fois que je t'ai vu, c'est là. Yeah. Après, je t'ai vu partout. Mais c'est parce qu'on m'a vu dans un autre environnement que 514. C'est comme, on me voyait les White Bee, celui qui rappe avec Lost, etc. Quand on m'a vu dans un environnement qui était différent, avec d'autres rappeurs différents, puis que j'ai éclaté le beat. C'était fou, ça. Tu comprends? Non, vraiment. Excuse-moi, est-ce que c'est Plus Rien Ne Me Fascine, non? Non, Mazeligan Blow. Ah oui, avec LK, puis justement, Enima, puis tout ça. Non, c'est fou, ça. Il a commencé comment, le processus pour toi? C'est-à-dire le début de toi qui commence à rapper des shit. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est les gars, man. J'étais avec les gars. Les gars, ils rappaient déjà. Par les gars, tu veux dire Lost? Lost, Gaza. MB. Oui, l'équipe. Les gars, ils rappaient déjà depuis un petit bout. Mon frère aussi avait déjà même commencé à rapper avant moi. Puis, quand j'ai entendu les gars, etc., j'ai dit OK, je me suis entraîné, on pourrait dire. Je me suis entraîné, j'ai fait des recherches, j'ai écouté beaucoup de musique parce que j'écoutais pas trop de rap français. À un moment donné, je suis arrivé, on était dans un trap, tout, whatever. Il y a eu un petit moment de silence. OK, je suis rentré sur l'instru. Puis là, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais arrêté. Incroyable. De quoi t'as voulu parler en premier? De ce que je vivais. On était dans la rue, bro. Je te dirais pas ça aujourd'hui à la télé. Exactement, mais... Ouais, man. Ce qu'on vivait, ce qu'on avait déjà vécu, c'était quelque chose de plus cru qu'aujourd'hui, là. À partir de là, après, au charbonné. Puis tu peux comprendre qu'au début, on n'avait pas les moyens de faire des clips. Puis il n'y avait pas cette industrie-là, il n'y avait pas cette opportunité-là de shit, OK, peut-être que je pourrais faire un 100 000 vues. Hein, je ne sais pas. Pour nous, 100 000 vues, là, c'était le goal. Mm. Tu comprends? Vous l'avez pété plusieurs fois. C'était ça, notre goal. Dès qu'on a commencé, on a frappé un 10 000, on a dit, yo, il faut qu'on fasse un 100 000 vues. Ouais. On a frappé 100 000 vues, OK, il faut le 1 million.
Là, le 1 million est arrivé ouais. peu de temps après. Là, ça vise le 10 millions. Là, c'est même plus. Ah ouais. C'est fou parce que maintenant, tout le monde écoute du rap à Montréal. Moi, quand je suis arrivé au Québec, c'était pas ça. Là, mais non. 2000, tout ça. Mais non, on avait trois gars dans un sous-sol qui rappaient comme s'ils avaient grandi en France. Il ah, y avait pas... quand même, il y avait du rap, mais c'était pas... Yo, il n'y a pas les moyens d'aujourd'hui. Bro. Check Internet, si ça, tu t'ouvres, tu peux voir n'importe qui. Comme... Moi, je vois des gens super poches comme des gens très talentueux. Mais yo, j'en vois. Bro. Chaque semaine, je vois au moins 20 nouveaux rappeurs là, qui arrivent. Là. C'est fou. C'est fou le fait que maintenant, Montréal a une identité vraiment propre en rap. Puis j'ai l'impression que c'est arrivé tellement rapidement. J'ai l'impression que c'est arrivé dans les deux dernières années. Mais c'est comme ça, bro. C'est comme ça, la musique. Avant, c'est real, ça va vraiment vite. Ça va extrêmement vite. Avant, on a toujours eu des rappeurs, comme tu dis, puis pas pour être irrespectueux envers eux ou quelque chose comme ça, mais le rap n'avait pas cette place-là. Puis j'ai l'impression que ça se ressentait parce que les gars, ils visaient surtout l'Europe. Ce qui est très compréhensible, parce que les gens qui écoutaient du rap au Québec, Chris, ils étaient 14. Bon. Mais maintenant, il y a une réelle possibilité de le make it dans ta ville. Comment est-ce que tu sens que... Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton processus? Est-ce que c'est quelque chose que tu attendais, genre? Que tu as toujours vu que ça allait être comme ça? Non, je ne m'attendais pas à ça. Mais je m'attends à encore plus. C'est pour ça que je suis satisfait de voir l'évolution que c'est en train de prendre. Mais je sais que c'est pas fini. Puis je sais que, oui. En tout cas, j'ai foi que ça soit pas fini, puis que ça aille encore plus loin, puis que pour les prochaines générations, le 1 million de vues, c'est normal. Mm-hmm. En France, là, 1 million de vues, c'est normal, bro. Si t'as pas 1 million de vues, c'est la base. Tu comprends, c'est la base, bro. Oui. Tu comprends, c'est au moins, si ça devient comme ça ici aussi, c'est ça le but, je pense. Je me demande qu'est-ce que les gens écoutaient avant que le rap soit... Qu'est-ce qu'ils écoutaient, les jeunes? Du rap d'ailleurs, du rap de France, j'imagine. Non, peut-être, je sais pas. Du rap américain? C'est parce qu'il y a des waves, il y a des temps, il y a des époques où c'est plus... Comme là, il y a beaucoup d'afro. Ouais. Dans un vibe, beaucoup d'afro. Ouais. Mais c'est parce que ça devient de plus en plus culturel aussi, multiculturel. Ouais. Là, sûrement. C'est real. C'est vraiment... Est-ce que tu te vois genre faire une carrière comme Booba, c'est-à-dire à arrêter très tard? Ou plus... Si ça continue de marcher, de fonctionner, ouais. OK. Ouais. D'essayer de tenir le plus longtemps possible. C'est ça, t'as pas comme un chiffre en tête? Tu dis, moi, quand j'entends ce chiffre-là, je relaxe même sur la musique. Ah, ben. Peut-être, là, j'ai une idée, tu comprends. Ben oui. Mais après aussi, c'est la vie, bro. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que dans 5 ans, je vais avoir 4 enfants? Je sais pas. On dit, yo, à une étape de vie, peut-être que le rap, ça devient aussi quelque chose de secondaire. Pour le moment, moi, c'est ma priorité. C'est ça. Ouais. Pas d'enfants pour l'instant? Pas pour le moment, non. Pas à ma connaissance. Non. D'ailleurs, t'es le seul du groupe, je pense. Non, moi puis Gaza. Ouais. Gaza, c'est un bandit. Pas d'enfant, lui non plus. Peut-être Gaza, je sais pas, il va arriver avant moi, je sais pas. Quête. Peut-être. Lui, il veut rester le dernier. Il veut rester le dernier à traîner, là. Pas, c'est que c'est ça, même. Sérieux, c'est tes responsabilités, mais. C'est mes priorités. C'est ça. Si ça arrive, ça arrive. Il n'y a pas de stress, mais pas tout, pas pressé. Exactement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as sorti des albums. Est-ce que tu travailles déjà sur ton EP? Tu travailles déjà sur l'autre? Là, j'ai pris un petit moment de... Pause? De... Tu fais quoi pour relaxer? C'est là où je veux, c'est ça? Relaxer, yo, en ce moment, bro... Tu sais que t'aimes la pêche? Ça, c'est fou. Ouais, j'adore la pêche, mais... Ça, c'est fou, quand même. Yeah. Gros pêcheur. Mais for real, là! Pas un peu... T'es un vrai pêcheur, là. Non, je suis un vrai pêcheur. Vrai, il va te parler des poissons. Je vais te parler des poissons, de la manière que tu peux les catch, quoi tu peux les catch. les environnements que tel type de poisson, ils préfèrent. T'es pas sérieux? Ben oui. Où est-ce que t'as eu le temps d'apprendre tout ça? Yo, c'est quand j'étais plus jeune, man, avec mon grand-père. Mon grand-père, bro, c'était un mordi de la pêche, man. C'est fou, parce que c'est resté. Ouais, man. Parce que j'étais dans un environnement... violent, puis tout, dans la rue. Quand j'allais pêcher, c'est totalement le contraire. J'oublie tout. Je pensais juste aux poissons. Tu comprends? J'oubliais littéralement tout. Il n'y a rien qui vient. Puis quand je vais à la pêche, évidemment, j'ai pas de téléphone, j'ai pas rien. Même si je tombe dans la rivière, je me noie, je vais me noyer, c'est pas grave. C'est fini. C'est ça. J'appelle personne. Personne sait. Yeah, c'est mon moment où je relaxe, je me noie. Laissez les gens se noyer comme un poisson. Exactement. Non,
C'était mon moment de détente, bro. Puis c'est comme ça que j'ai appris à aimer ça autant. Yeah. C'est fou, ça. Yeah. C'est fou. Tu pêches encore? Yo, là, un petit peu moins, man, pas te mentir, bro. Ben, il y a toujours studio. Pas te mentir, ouais. J'ai moins le temps de le faire, mais... Tu passes combien de temps au studio par jour, dans la norme? Là? Même pas avant de boucler un gros projet ou quelque chose. Yo, la norme, là, si je veux bien travailler, etc., c'est au moins 8 heures. 8 heures? Au moins. Par jour? Ouais, ouais. Ben, si, disons, je parce que je travaille pas ma musique tous les jours, tu comprends? Ouais. J'ai besoin de pause pour... L'inspiration, flow, etc. Ouais. Mais, excuse-moi, c'est quoi tu... C'est à combien de temps ça te prend de studio, mettons, okay, ouais, en général? Mettons, processus créatif. Si, disons, je m'en vais en studio, ça me prend au moins un 8 heures. C'est fou, surtout si j'ai pas rien écrit, j'ai pas de beat, si j'ai pas d'instru en plus, ça peut aller plus que ça, là. Ça part d'où si t'as pas de beat, t'as pas d'instru, puis t'as pas encore commencé sur les paroles? Ça part de l'envie de faire une tune. Ouais, ouais. Oui, mais des fois aussi, aller en studio, c'est forcer un vibe. Ouais. Avoir un studio chez soi, c'est complètement différent. Ouais. Tu te réveilles à 4 heures. Moi, je suis un gars comme ça. J'ai un horaire tellement spécial. Comme il y a personne qui peut comprendre mon horaire. Même moi, je le comprends pas. Il y a des fois, je passe out à 9 heures du soir. Je me réveille à 3 heures du matin. Boosté. OK. Ouais. Non, j'écoute un instru live, puis oh, je reste debout jusqu'à 8 heures du matin. Là, je m'en vais faire une petite sieste de 3 heures. Je me réveille. Allez, je réécoute le beat. Mes inspirations sont toujours à des heures bizarres. C'est fou, moi aussi, je suis dans ce vibe-là. Moi aussi, des fois, comme si je vais pause, comme si toute la journée, je vais pas bien faire mes affaires, comme si je me sens. Puis à un moment donné, on dirait que quand la ville s'éteint, comme t'as pas de stress. Yeah. Puis là, boum, toi, tu démarres tes goûts, là, t'es tout seul. Yeah, yeah. Moi aussi, je suis pas capable d'écrire comme si le matin... La nuit, ça vient beaucoup plus facilement. C'est bon. La nuit. La nuit, des fois, j'entends du stand-up. Ouais, c'est ça qui est fou. J'arrive pour me coucher. Ça, c'est le loud. Il faut que j'arrête de fumer avec les rappeurs. Ouais. Quand t'entends rien du tout. Non, mais je te jure. La nuit, j'entends du stand-up. Mais c'est pas n'importe qui. C'est moi qui fais du stand-up. Mais ce que je trouve fou, c'est que c'est pas comme si je cherche quelque chose ou c'est pas comme si... Là, des fois, je veux me coucher, bro. Je veux dormir, bro. Ça m'emmerde, bro. Puis j'arrive, puis je suis couché. Bon, ferme les yeux, je m'entends comme si j'étais sur scène puis moi, j'étais spectateur, là. Ça lâche. Puis je sais pas pourquoi... C'est ça, les artistes, bro. Tu peux pas expliquer comment ça va venir. Ouais. Puis j'ai compris ça même à travers plein de choses, tu vois, comme juste quand je vais me faire tatouer, etc. J'ai un artiste tatoué comme... C'est vraiment un artiste, là. Je ne vais pas l'avoir avec une image comme... Puis à travers même plein de trucs, des designers d'intérieur, etc., c'est tous des artistes qui ont des manières créatives différentes. C'est vrai. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant même d'en parler avec les autres. Ben oui. N'importe quel, que ce soit un artiste comme dans ta tranche de ce que tu fais, que ce soit un humoriste... Je trouve que c'est encore plus intéressant d'en parler quand ils ne sont pas dans ta tranche, justement. Exactement. Quand ils viennent de t'apprendre autre chose. Ouais. Ouais, exactement. Bah, comme si c'est fou, parce que nous, on ne check pas. Mettons, moi, je vais m'inspirer d'un rappeur pour faire du stand-up. Je ne vais pas checker un autre humoriste, tu comprends? C'est ça. Tu vas checker d'autres trucs. Tu vas checker de la danse, un bâtard qui, tu comprends? C'est fou, quand même. C'est intéressant, même, de voir comment il y a des gens qui peuvent être créatifs, mais avec rien, tu comprends? Ouais. C'est fou. Mais toi, t'es un huile là-dedans. Toi, c'est comme si c'est un bail qui te passionne, t'es créatif, pousser ton original, art. Ouais. Je sais pas, quand je te parle, j'ai pas l'impression que c'est toujours une quête de chiffres. Tu comprends? Il y a aussi, t'aimes faire des bons beats. C'est important quand même, les chiffres. Bien sûr. Ça, faut pas négliger. Naturellement. Faut pas négliger cet aspect-là. Mais la musique, je pense que c'est avant tout, c'est pour toi que tu l'as fait. Là. C'est de l'art, là. Tu comprends? Ben pas, oui, mais oui. C'est pas... Tu sais, aujourd'hui, je te dirais que la pression est plus grande qu'au début. Au début, bro, je faisais des beats, là. Je m'en fous là, de qui va aimer, de qui... Ouais. Qui aujourd'hui, j'ai un auditoire, j'ai un fanbase. Ben oui, je veux pas les décevoir. Est-ce que t'as l'impression que ça te limite dans ta création? Des fois, oui. Pourquoi? Parce que je vais partir sur un vibe, ah non, ces gens-là, ils vont trouver que non, c'est trop sombre. Ouais. Ah, des fois, oui, ça limite au niveau du processus créatif, mais... Comment tu restes in touch avec toi-même en devant dealer avec toutes ces affaires-là? Parce que nous, on comprend ça aussi. Nous, tu veux faire une joke, OK, trop vulgaire, ou alors
Ok, eux, ils vont croire qu'on rit d'eux alors que pas du tout. Alors, Sinon, je ferais juste des jokes de masturbation. Tu peux oui. Mon... Ça paraît, toi. Ça paraît. Oh, oh. J'ai un fou numéro, là, au moins 30 minutes sur la masturbation, mais je peux jamais le passer nulle part, bro. Est-ce que tu te sens des fois prisonnier? Ah, mais bro, attends. Yeah. Toi, c'est tous les jours, hein. Mais bro, c'est comme si... Non, mais on parle de ça, tu comprends? On parle de ça tous les jours. Vous voulez qu'on lague les stats? Non, parce que vous voulez qu'on parle. Mais oui, non, comme si. Yo, à un moment donné, bon, j'ai perdu la vie. Je slide. Non, je suis à l'aise, comme si, oh, le matin, bro. Sinon, les gens sont pas souriants. J'ai remarqué ça, bro. OK. Ça, c'est des choses qui se passent pas le matin, bro. Mais oui. Ben oui, bro. Mais tu le vois, quelqu'un, là, dans le matin, tu le croises, il a mis une moque pour rien, tu dis, lui, il a pas frappé sa poignet ce matin, bro. Sinon, il serait beaucoup plus souriant. Les gars, vous avez des poignets musclés, même. Ben oui. Vous avez pas une copine, guys? Ce matin, on a dit ça. Les rappeurs, ils se masturbent comme ça. c'est des caps. Sans commentaire, les gars. Sans commentaire, bro. OK, c'est quoi que tu disais? Tu te sens pas limité, des fois, par parce que, veux pas, le rap, vous êtes obligé de maintenir une image. Même si elle est authentique à vous-même, vous êtes quand même toujours obligé de mettre des limites claires. Puis, des fois, ça t'emmerde pas un peu? Oui, non, bro. Parce qu'après, c'est chacun ses limites. Yo, il y a des rappeurs, je les ai vus faire des trucs. C'est sûr, ils se sont fait un peu réprimander par rapport à ça. Ouais. Mais okay. Je leur ai vu faire des trucs que moi, j'aurais pas été prêt personnellement à faire. Tu comprends? Mais il y en a qui sont... Après, c'est comme, c'est quoi? Avoir de la crédibilité pour des gens qui ont peut-être même pas de crédibilité. Donc, des fois, à un moment donné, il faut que tu passes par-dessus ça, OK? J'ai envie d'avoir une crédibilité. Il faut que les gens continuent à voir que je suis crédible. Non, bro. Les gens, la majorité des gens, là, sont même pas crédibles. Ouais, complètement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la majorité des rappeurs, c'est des... Mais le street cred, c'est fou, gentils, là, dans votre là, domaine, bro. Bro, c'est la majorité des gens qui vont dire, yo, lui, il est pas crédible. Lui-même, il n'y a aucune crédibilité. Ouais, lui-même, il n'y a rien dans ce... Et lui-même, il doit même dire ça pour essayer d'avoir un peu plus de crédibilité par rapport à lui-même. Mais, bro, comme moi, non, moi, je ne force rien. Mais il faut pas. Je force rien parce que j'ai des limites moi-même en tant qu'homme, en tant que je ne dépasserai pas ça. Puis ce n'est pas parce que j'ai peur que les gens, non, ils pensent, non, lui, il est soft. Ouais. Non, c'est parce que moi-même, je ne suis pas à l'aise d'aller là. Ouais. Sauf que... Je suis prêt à aller, tu vois, dans des beats comme Toxic. Toxic, bro, c'est pas ma tasse de thé, sauf que... Mais je trouve que c'est un des beats qui ressort le plus du EP, en fait. Exact, mais ça dépend pour qui. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Comme, moi, personnellement, c'est pas mon beat préféré du projet, tu comprends? Non. Mais je suis capable d'aller dans ce vibe-là puis de pas me dire, hein, ça va affecter ma crédibilité. J'en ai rien à foutre, bro. Mais non. Comme, si je veux le dire comme ça, là... Parce qu'au final, le plus fresh, ce qui est toujours nice, c'est pas... C'est que le rap, c'est quelque chose qui marche très bien en contraste. C'est pour ça que c'est fucking drôle de voir un gros thug dire des paroles softy. Puis ça va quand même rester un gros thug quand même. Il n'y a personne qui va remettre ça en question. Ouais, check Damso. Damso, il va loin, là, lui, là. Non, mais il y en a plein. Je peux t'en nommer plein. Parce que Damso, ce n'est pas nécessairement le modèle... Le plus méchant, là. Le plus... C'est ça. Le modèle comme Streetwise, là. Ah, oh, ça m'a dit Thugness, comme... là. Ouais, comme Damso, c'est plus c'est quelque chose de plus sorti, artistique. Là. Ouais. Ouais, artistique. Mais plus, comme, regarde, ouais, par exemple, Booba, qui, lui, a une plus grande crédibilité en dehors de... Je sais pas s'il est dans la street ou pas, mais lui, il se permet d'aller dans des chansons au piano, où est-ce qu'il est... Exactement. Super doux, tout ça. Il y a personne qui sort de là en disant, tu sais, Booba, en il est vrai, sorti. Yo, les gens qui vont dire, ouais, je me limite, non, c'est parce que, bro, ils ont pas confiance en eux-mêmes. Hmm. Mais... Moi, j'ai confiance en moi. Comme je vois pas pourquoi je devrais me limiter... À cause de ce que les gens vont penser. Tu comprends? Non, comme non. Moi, si je suis down avec ça, je vais le faire. C'est ça, surtout que le rap, c'est anticonformiste. Mais quand tu regardes, la majorité des gens qui font du rap sont les plus. Ils sont conformes. Là. C'est de la clonerie. Là. Le rap, c'est rebelle. Bon. Mais la majorité des gens qui font du rap, ils vivent les mêmes choses. Je dis pas que c'est tout le monde qui c'est vrai, mais la majorité des gens qui sont dans cet univers-là, c'est ça qu'ils vivent. Nécessairement, moi non plus, quand j'avais pas les moyens d'avoir une Lambo dans mon clip, d'avoir des effets spéciaux, ben yo, qu'est-ce que je vais montrer? C'est ce que j'ai. Souvent, c'est ce que je vois. C'est vrai que des fois, ça devient redondant, mais en même temps,
c'est ça, tu comprends? Les gars, ils ont rien d'autre que ça. C'est ça qu'ils connaissent, c'est ça qu'ils vont montrer, bro, nécessairement. Ouais, c'est pas nécessairement pour dire, yo, moi, je veux montrer du cop, je veux montrer de la drogue. Non, c'est parce que c'est juste ça que les gars ont à montrer. C'est la réalité. So, après, bro, je trouve pas ça plus nice de voir des belles autos dans un clip que de voir de la drogue. Comme... C'est pour ça que je me suis lancé dans une originalité plus comme poussée au niveau de Double Vision, dans les clips. Que ce soit dans le clip Double Vision ou que ce soit dans le clip de Toxic. Ouais. J'ai essayé de pousser comme un peu les limites. Je trouve que ça paye. Puis ça paye beaucoup même. Ouais. Moi, quand j'ai vu Toxic la première fois, j'ai noyé. Je trouve ça fou, tu comprends? C'est créatif, en fait, c'est coloré. C'est ça que j'avais dit. C'était fou, même. C'est fou, pour vrai. Mais moi, je comprends pas cette affaire-là de... En même temps, t'as besoin de rester TOG parce qu'au début, c'est les gens, c'est ton quartier, c'est tout ça qui te propulse. Tu comprends ce que je veux dire? Après, naturellement, tu prends des risques d'être plus créatif, de toutes ces affaires-là. Mais au début, initialement, t'as pas le choix d'être, je sais pas, un peu trap ou un peu... Si tu te fais connaître dans un Niska, sauvage, sauvage. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, t'arrives ensuite avec quelque chose de soft. Ouais. C'est sûr, tu comprends? Mmh. Mais je sais pas, bro. Peut-être que... Ouais, je pense que ça accroche plus quand que tu vois derrière, yo, lui, ça a l'air real. Mmh. Tu comprends? C'est authentique. Ça accroche plus. C'est vrai. Tu comprends? Mais après, la continuité est plus importante, bro. Quand tu réussis à le faire, OK, 1, 2, 3 beats, un album est bien... La continuité est encore plus difficile. C'est vrai, ça qu'il faut aller chercher. C'est tenir. Le long terme, bro, est extrêmement difficile. En plus, bro, je comprends. Vous, votre game est fou, bro. Parce qu'on dirait qu'il crée un rappeur tous les 30 minutes. C'est ça. C'est tellement éphémère, bro. Et on parle de Montréal, mais si tu veux qu'on parle d'ailleurs... Les États-Unis, c'est fou, bro. C'est rien. On clique des doigts, puis il y a un rappeur, là. À chaque coin de rue, il y a un rappeur. Dans chaque bloc, il y a un rappeur, bro. Alors qu'ici, c'est encore gêné. Les gens... Il y en a encore qui sont un peu gênés, de la critique, de ci, de ça, tu comprends? Mais aux États-Unis, tout le monde est rappeur, j'ai l'impression. Tout le monde fait du rap, bon. Même des vieux, des papas. Oh, une mob douce, elle va te blaguer 2-3 bars. C'est fou, là. Yeah, yeah. Mais... Qu'est-ce que t'écoutes en dehors du rap? Shit, yo, t'es venu... C'est ça, bro. Non, ma bad. Moi aussi, bro. Ma bad. Yo, je te donne tout ce que j'ai, mon bro. Vas-y, bro, yo. C'est juste parce que j'ai la confiance, là, il y a l'équipe de tournage et tout. Ah, c'est ça. Tu vas parler autrement quand la lumière va être éteinte. Fais le bol. Qu'est-ce que j'écoute, yo? J'écoute de tout, man. J'écoute de tout. Rien en particulier que je cherche, mais je suis capable d'écouter de tout. S'il y a du rock qui va passer, je suis capable d'apprécier le rock. T'écoutes du latino? Du pas, ouais, du latino, ça c'est plus les staffs, ma staff ou whatever, tu comprends, comme là, ouais, des petits beats comme des petits Burna Boy, comme ça. Ok, ça, c'est des belles vibes. C'est bonne petite ambiance. Ouais, belle petite vibe. En plus, là, c'était camerounais, lui, il doit être super pro, c'est la fin. Sur ça. Ah lui. Oui, ouais, bah oui. Yeah. Mais sinon, yo, pas mal tout, bro, pour de vrai, j'apprécie toute la musique. Ouais. C'est ça qui est nice, c'est quand En tout cas, moi, je trouve ça fresh de certains artistes, mais celui auquel je pense, c'est Kendrick. C'est comme prendre des sonorités d'autres sons ou les ramener. Puis je voulais en parler parce que, justement, il y a une chanson où est-ce que... Je ne sais pas si c'était dessus, mais c'est 514. Puis c'est sur l'inspecteur, là, il pensait qu'il nous avait, là. C'est sa dernière. Tranquille, c'est seulement tu ça. Ouais, exact. Ouais. Ça. Okay. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que quand ton frère, il chante, bon, on dirait un chanteur rail un peu, là. Il y a des grosses... Puis moi, je trouve ça trop fresh quand dans le rap, quand dans quelque chose d'aussi homogène que le rap, tu sens des influences d'autres mais types ça, de musique. C'est le groupe aussi, peut-être. Ouais, ouais. C'est le groupe en tant que tel, tu comprends? Ah, comme MB, Gaza. MB, Gaza, tu comprends? Mais yo, mon frère, c'est un gros chanteur. Il chante, ouais. Mais tous les deux, vous avez des grosses voix. Mais honnêtement, mon frère, il a une voix beaucoup plus. Puis ça, c'est depuis très jeune. Là. Il a une voix très puissante, très comme... Yo, mon frère, il a une voix, même. Je te dis, il aurait pu devenir chanteur, là, limite. Là. Ouais. Mais... ouais, même ça... Moi aussi, j'aime ça, entendre des sonorités comme ça, des mélanges un peu de...
culturel, etc. Exact. Parce qu'on dirait que ça fait quelques années, bro. C'est toujours ça qui ressort, comme, admettons, si tu regardes l'afro-trap. Aujourd'hui, ça paraît comme si c'était là depuis 200 ans, mais bro, il y a 5-7 ans, quand MHD est débarqué avec ça, c'était vraiment un merge de deux trucs qui n'existaient pas, tu sais. T'imagines une carrière MHD? C'était fou. Là, il va remonter. Mais c'était fou, ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est des choix, bro. Oh, c'est complètement. Mais lui, c'est lui encore au-dessus de ça, lui, c'est presque une imbécilité, même. C'est ça, non, l'histoire? Ils ont été taper quelqu'un. Tu peux le voir comme ça, mais c'est... Oui, Je ne sentais pas qu'il était autant impliqué, lui, tu comprends? C'est un mauvais choix, bro, parce que... On ne connaît pas toute l'histoire, puis les médias, des fois, ils vont raconter une histoire... Ils veulent scénariser, là. Donc, pour de vrai, écoute, moi, je juge aucune situation comme ça. Je pense que c'est un mauvais choix. C'est sûrement... C'est bad, c'est le triste. Le pire choix qu'il a fait de sa vie. Mais oui. Mais bro, je pense que chaque personne doit voir ça différemment. Lui, il doit voir ça comme si... Bro, tu dois revenir plus fort, man. Puis tu dois revenir plus intelligent. Comment t'as coupé les liens avec la rue, toi, quand ça a commencé à être le rap? Jusqu'aujourd'hui, mes liens sont pas coupés avec la rue, bro. On va toujours avoir comme... L'entourage des gens. C'est ça, tu comprends? Mmh. Comme, je pourrais jamais dire que mon lien est coupé avec la rue. Mmh. Mais j'ai décidé de tout arrêter après, moi aussi, des mauvais choix que j'ai faits. Tu comprends? Puis que il y a eu des conséquences à ça, tu comprends? Puis encore aujourd'hui, il y a des conséquences à ça. Mais c'est ça qui m'a fait plus, OK, c'est quoi que je veux? C'est quoi que je veux dans la vie, tu comprends? Comme, est-ce que c'est sortir d'ici ou c'est y rester? So, j'ai fait le choix de sortir d'ici, bro. So, je me suis concentré sur la musique. Puis j'ai mis ça le reste de côté. Puis yo, sprint, mon gars. Sprint dans la vie. Ça court vite. Ça court vite, bro. Sprint. Yo, jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus, bro. Peut-être, tu comprends? Ça t'avait cassé la tête, hein, l'histoire 6ix9ine? T'es pas content, hein? Et encore aujourd'hui, je suis pas content de ça, bro. Ah oui, c'est sûr. Mais non. Je vois Sharaf qui like, là, ses publications, là. En tout cas... Sharaf, mais... des fois, tu vois, il like des trucs, frérot. Sharaf! Ouais. Sharaf, il est pas conscient. Il dort, Sharaf, il like. Il est partout. Ouais. Il est partout, bro. Ouais, Sharaf, oublie. Mais on parle du loup, bro. Laisse monsieur nous amener un disque d'or, OK, bro. Je veux le tenir, man. Mais oui. Viens. Sharaf, président. Allez. On présente à l'écran M. Sharaf Bourga, CEO de Interpora et agent manager de M. YB. C'est Single Door. Single Door. Excuse-moi. Single Door. Oh, Sharaf, c'est vrai or, ça? Ouais, c'est or, ça. Mais non. Le frère, tu le grattes, l'or est parti. Ah, OK. Tu l'as cassé le jour bro, même. Il t'a demandé si c'est du vrai or. Ouais. Toi, tu lui donnes une réponse d'arabe. Ouais. Il dit pas si c'est de l'or. Il dit ouais, c'est de l'or. Mais tu grattes, ça s'enlève. Ça s'enlève. C'est quoi que ça veut dire? Il a failli dire c'est de l'or de temps en temps. Comme si, comme ça. C'est douloureux, peut-être. Il faut honnêtement qu'on prenne un petit moment pour... Andak, la caméra juste derrière. Il faut vraiment qu'on prenne un petit moment pour souligner à quel point c'est difficile de faire ça, bro. C'est énorme. C'est vraiment tough. C'est vraiment très dur de faire ça dans un... En indépendant, en plus. En indé, c'est vrai. 714, ils ont roulé en indé longtemps. Ça, c'est des beats qui sont sortis en indé. Ça c'est les qui sont encore en indé. Ça, c'est mon... Tu te rappelles, on l'avait fait écouter. C'est mon catalogue. On l'avait fait écouter à un humoriste français pour savoir justement comment il filait ça et tout. Puis il avait bien aimé. Il avait dit, lui, je le vois facilement rapper en Europe. T'sais. Tiens, bro, juste avant que je fasse une connerie. Vous l'avez brisé live au chalet, hein? Ouais. Il vient de se faire réparer, là. Ouais. Sharaf, miskin, c'est juste ça. Va acheter le single d'or. Va réparer le single d'or. Il est où le single d'or? Oh non, on a cassé le single d'or. Ça doit être fou de travailler avec des rappeurs. D'ailleurs, c'est comment? Tu sais, avec ton gang, avec tout. Toi, t'es vraiment dans une position particulière parce que t'es pas une minorité visible tout seul, mais quand tu chilles avec des Arabes, tu deviens une minorité visible parmi des minorités visibles. C'est double. Moi, personnellement, tout au long de mon adolescence, c'était moi la minorité. Ben oui, c'est ça. C'était moi la minorité. Mais je vais pas te mentir,
comment dire, tu vois, disons, comme là, je viens d'emménager dans un quartier très résidentiel. Ils me voient pas comme... Tu comprends? Ils se demandent je suis quoi. Ils me regardent, puis ils se demandent je suis quoi, puis ils me regardent de la même manière que ils auraient regardé comme... Je sais pas, comme peu importe quoi. Ouais. So, oui, en fait, ils te regardent comme si t'étais un arabe. Un arabe, exactement. Ouais, exactement. ils se posent des questions, tu comprends? So, je pense qu'après, c'est la dégaine aussi. Là. À un moment donné, là, tu l'as dans ta dégaine, tu l'as dans ta... Mais oui, tu respires dans ton ça, attitude, bon. Tu l'as, tu comprends? So, mais on reste poli, on est bien élevé. On est des mauvais garçons bien élevés. Pour les blancs, t'es plus un blanc. Là. Ah, exactement. C'est ça. Non, aux yeux des Kebs, je suis un Kebs trafiqué. Mais c'est la même chose pour notre réalisateur Louis-Philippe. Beau, il est blanc, il est super artiste, il porte des foulards et tout. Mais bon, quand tu es avec nous, beau, là. Ça l'arabe. Ouais, c'est ça. Retournez-vous. Des fois, sa mère nous appelle. Je veux mon fils. Mon vrai fils. Mon vrai fils. Ouais, parce que non, c'est plus Philippe, c'est, plus. Là, c'est Adil maintenant. Ah, ouais. Adil. Hicham. Okay, moi, c'est Daoud. Comment? Moi, c'est Daoud. Non. Les gars m'appellent Daoud. Mais c'est pas vrai. Je te jure, bro. C'est fou, ça. Les gars m'appellent Daoud. Mais c'est David en arabe, non? Yeah. Ouais. Le Toons. Le Toons. J'ai été là, non? Ouais, vite fait, ouais. J'ai été en Tunisie? Vite fait, 22 jours. Tu l'as d'elle, bon, c'est quand même long. C'est mon premier voyage à vie, puis mon dernier jusqu'à ce jour-là. Tu ris de quoi, bro? Non, pas trop. Yo, j'ai retenu un truc tantôt, là. Ouais. T'as dit un truc dans ton intro. Yeah. T'as dit un truc par rapport au fait que... Les rappeurs? Aujourd'hui, ouais. On met le cob dans le buzz avant la bouffe. Ouais. Frérot, t'es... Il remet en doute la version que t'as dit. Hein, je remets en doute... Par rapport au fait que je sais pas si toi, je pense que la bouffe a passé avant le buzz. Mais moi, je peux manger des jusqu'à meubles, aujourd'hui, là. Ah, jusqu'à aujourd'hui, là. Et oublie ça, là. Je suis en train de taquiner mon poids parce qu'on a pris un pari cet été. Tu me dois une Hennessy sur caméra, là. Je lui dois une Hennessy. Parce qu'il parlait, puis c'est moi, en fait. C'est moi qui ai passé ma chute. Faut que je maigrisse, faut que je maigrisse. Puis lui, il m'a dit, moi, je crois pas en toi. Ça rien maigrir, c'est live, c'est vrai. Là, juste savoir, on arrive 1er août. L'été passé, hein. Premier. T'es déçu, bro. J'ai essayé de faire l'effet contraire. De le pousser, mais oui. C'est comment de lui dire tu vas jamais être capable. Ouais. Mais oui. Oh, bro, lui... Mais... Et il fait ça. Quand il y a les caméras, il fait zarmant qu'il achète le buzz avant la bouffe. Ouais. Oh, bro! On le voit, là! On le voit, frérot! On le voit, bro! Arrête ça, là! Yo! Stephen Roast! Vous avez applaudi, vous, hein? Parce qu'on n'a pas de disque d'or, hein? C'est bien ça, le problème. Avec des traites dans cette équipe. Non, mais... Voilà, c'est vrai que je voulais maigrir et tout, les frérots. Non, mais yo, j'aime les gens dodus, t'inquiète. T'as vu comme si... Je les apprécie beaucoup. Comme si... Moi, je suis obligé d'être un gentil avec ce corps-là. Je peux rien faire, là. Moi, des fois, juste tu me parles trop, je m'essouffle, je stresse. T'imagines? Je t'ai vu faire. Yo, ouais. Je sais. Mais yo, mais là, t'as vu comment ça devient dur maigrir quand tu vieillis? Ah ouais, ça devient tough. C'est plus pareil, là. Toi, t'es good. Toi, frérot. Toi, en plus, tu fais du bruit, là. Moi, pour de vrai, c'est juste un glitch, là, toi, là. Ton corps est comme ça. Je pense que je suis trop stressé, bro. Oh, t'es nerveux, toi. Tout va en stress, hein? Trop stressé. T'as déjà vu le chien de Whitebee? C'est fou comment les chiens, un peu, ils ressemblent au maître, là. Whitebee, c'est pareil, lui aussi. Le chien est toujours en train de bomber. T'as jamais vu? Whitebee, il touche pas le sol longtemps, là. T'as jamais trouvé relax. Ouais, t'es nerveux, bro. Ouais, bro. Je t'ai vu, en plus, t'aimes les pâtes, bro. Tu es en train de manger des pâtes, gros. Ouais, mais honnêtement, toi, tu peux pas parler non plus, là. T'es nerveux, mon chum, là. On est tous nerveux. Alors, moi, je suis nerveux dans le poulet frit. C'est nervosité est différente, bro. Comment tu deals avec ça? Faut que tu bois dans la tasse de... Ouais, il y a tout bu, bro. J'avais soif, moi, j'ai mangé beaucoup de sel. Ouais. Il a mangé du parmesan aux pâtes. J'ai mis au moins 6 cuillères de parmesan sur les spaghettis. C'est quoi que t'allais dire? Je sais pas, j'ai oublié, viens, on le roast. Fuck ce que j'allais dire, moi. Ok, let's get it. Ah, je sais qu'est-ce que j'allais dire, mon bro. Yeah. On va prendre un petit moment pour accueillir notre collaborateur d'aujourd'hui. Oh! Qui est-il? Ericsson.
Mesdames et messieurs, on accueille à la barre stand-up Erickson Alismé, s'il vous plaît. Ça fait neg, yo. Oh, qu'est-ce qui se passe? On est là, forme. Là, là où même. Yo, t'as vu la pandémie, comment elle était tough, ça, ma? Yo, c'était rough, bro. Tu sais comment c'est dur pour moi, là? Je suis un extraverti, là. J'ai pété des coches, là, moi, là, bro. Ça a été plus dur pour les extravertis que les introvertis. Les introvertis sont toujours en pandémie. T'as vu leur fils? Yo, en forme? Yo, posé, yo, t'es... Je subis la vie, yo, posé, bro. Yo, c'est real, bro. Yo, posé, bro. Puis ça a changé, là. C'est plus les introvertis d'avant. Tu vois, les introvertis d'avant, ils fermaient vraiment leur gueule, là, comme... Ouais. Tu sais, ils restaient chez eux, ils étaient vraiment gênés. Là, les introvertis d'aujourd'hui, bro, ils posent 50 stories pour dire à quel point ils sont gênés, bro. Je te jure. C'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. C'est même des fois, ils sont tellement audacieux. Tu sais ce qu'ils font? Ils font, je vais faire une désintox des réseaux sociaux, puis ils postent le jour 1, jour 1, jour 2, jour 3. T'as pas compris le concept, là? T'es supposé d'école ici, là, bro. C'est quoi ton problème, bro? Oh, merde. Ah, ça a été tough, mais yo, bro, tu sais comment nous on est extravertis, on a une vie sociale. Tu vois, moi, je suis un gars qui parle beaucoup. C'est pour ça a été tough, là. Il faut du monde pour parler. Tu vois, oui. Moi, je suis toujours en train de parler. Parler. La pandémie m'a dit, yo, ferme ta gueule, man. Qu'est-ce, bro? Non, toi, ta mère, tout ça, m'en fous, bro. Mais ça a été tough, for real, bro. Tu sais ce que j'ai filé, moi? Non, j'aime pas que j'ai filé. Ils ont empêché de chiller. Ouais. Ils ont coupé les chillings, là. Ça, c'est des fois, on a rien vu venir, là. Ils ont coupé les chillings, bro. Mais oui. Tu sais comment j'ai su que c'était vraiment illégal? Comment? J'allais à un baby shower. Ouais. Je rentre dans le baby shower, je vois déjà les gens rentrer puis regarder les fenêtres par où ils vont sortir. Si la police débarque, bye. Je te jure, je mange un bail, je regarde par la fenêtre, je vois un partenaire qui se parque, il dévisse sa plaque, puis il fait yes, yeah, je suis good, incognito. Je dis, qu'est-ce que tu fais, bro? T'exagères, là. Les partenaires sont bis, bro. Après ça, bro, la fête était fraîche pour de vrai parce que maintenant, chaque opportunité était bonne pour chiller, tu comprends? T'avais une opportunité, tu chillais. Le baby shower où j'étais, bro, c'était pas un baby shower, là. C'était boulevard 44, là. T'aurais kiffé White Bee, là. T'aurais pop des barreaux. Tout va, là. T'aurais fil, là, je te jure, bro. Okay. Il y avait des yo dans le noir, bouteilles de by disco, des femmes qui wine sur le mur, comme yo. Respectez le pitié. Je sais même pas ce qu'est le nom de l'enfant. Je sais pas ce qu'est le sexe, le nom. M'en calice, là. J'étais là à me saouler, bro. M'en calice, for real. Ben non, les gars, c'était fou, for real, bro. Puis, tu sais ce qui est fly, c'est que, tu sais, la fête a démarré. On a commencé à chiller. La police a débarqué. Là, moi, bro, tu comprends comment je suis là. Je peux pas vivre ça à jeun. J'ai calé 6 shooters de suite. Ouais. Dès que j'ai relevé la tête, j'ai vu que j'étais trop sous. Ouais. Parce que j'ai vu la femme enceinte courir. Puis pas courir normal, là. Elle a couru comme... Elle tenait son ventre comme si elle avait un bout, là, tu comprends? Elle était là, bro, sauter des clôtures. J'ai fait impossible, bro. C'était trop chaud, là. On a chillé fou, là, gros chilling, tu comprends? Puis yo, Oussama, Anas, vous êtes des pâles caca, on est des pâles caca, tu comprends? Ouais. Des fois, on est sous, on parle trop caca, puis c'est le lendemain matin, t'as les flashbacks de toi qui parle caca, tu comprends? Moi, après une semaine, je croyais que j'étais good, bro. Au bout de la cinquième semaine, je suis sur l'autoroute, je conduis, mais je... Oh! Allô, mommy? Non, mais t'es pas une pute. Non, c'est pas toi, je disais ça, mommy. Non, mon ami va t'appeler, il va dire que c'est lui la pute, je te promets. Allez, merci les boys. Ouais, Erickson! Erickson Alismé! Yes, boss! Moi, j'ai déjà fait une chute de pression, bro. T'as pas out? Bon, je suis juste sorti de la piscine. Pourquoi vous rigolez quand il raconte ces anecdotes de sport, dit? Pourquoi ce public? La chambre de la piscine, j'avais laissé un sandwich dans ma boîte à lunch. J'ouvre, bro, petit sandwich, bro. Ça m'étonne même pas. Bon, j'ai le nom, bro. Ça m'étonne même j'ai pas. J'ai encore le sandwich. Imbécile! Hey, tu sais, qu'est-ce qui se passe? On va regarder le sketch ou quoi? Yeah. Ayo, Jamiche! Bon? What's up, le gros? Ayo, sac à fesses dans tes deux fesses, le gros, man! Fait longtemps, man, c'est quoi? Tu viens un peu me voir pour acheter ton pote, man? Hey, je suis sûr que t'achètes ton pote à SQDC, le gros. Fais avoir, le gros! Le pote de la SQDC, il rend même pas schizophrène. C'est real, man. Passe-moi ton Uber Eats, puis je te le remets jeudi, je te jure. Je vais même le porter chez vous. Attends deux minutes, man. Ah, gros, c'est la daronne, man. C'est la môme douce. Ouais, la grosse. Ouais, je peux pas te parler, j'étais avec un casties. Ça, c'est toi, la grosse. Pourquoi tu fais la folle? Baby, c'est mort entre nous. Yo, Pam. Yo, Pam. Pam, Pam. Pamela. Pamela, mon ex. Pourquoi t'es là, toi? J'ai juste une dame, quoi. Ah, dis-le, man. Tu veux du pot, le gros, man? Ça, c'est du pot médicinal. Ça te transforme en médecin. Ça, c'est du cucouche. C'est du weed qu'on a essayé de faire rentrer à Bordeaux. T'as tellement du mauvais weed, ils l'ont refait sortir de prison, man. Ça goûte les fesses. Ouais, c'est ça que je fais, moi. Ça buzz, man. Ça goûte le cul, mais ça buzz, man. À la manière, tu sens comme si t'avais une messie. Gros, je vends pas à dime, le gros. Tu le sais, je vends juste à l'once.
C'est 8000. Ça, c'est 8000, man. J'étais un fucking gros 6, le gros, man. Mon oui, je les frappe. Ce que tu vois ici, je les frappe. Max, je les frappe, man, quand il gosse. Ça pue. J'ai mon doctorat en liquage de daronne. Ça, man, c'est-tu pas être fucking épicé, man? Gros, mon père, il est plus haïtien que toi, man. Quand j'étais jeune, il prenait genre plein de taxis. Yo, bro, je t'ai texté juste pour une dame, bro. Il faut vraiment que j'y aille. Il gosse, man. Gros, je whip dans le trap. On fouette le gros, man. Brrr! Aïe, le gros, je t'ai-tu dit que je suis dans 514, man? Parce que Madeline, man, lost, le gros, man, lost, sortait de prison, man. Moi, j'étais là, man. J'étais en train de ramasser ma mère, man. Elle sortait de prison aussi. Quand ta bitch me voit dans le club, bingo! Elle a vu que j'ai une grosse queue, Django! Quand je sors mon bois, elle se penche, limbo! Gros, tu le sais, man, faut que je sorte la daronne de Blainville, le gros, man! Je peux pas la laisser dans une caille, ou est-ce qu'il y a juste une piscine, le gros? Ayo, le gros, quitte, man! Ketamine, t'en veux-tu? J'en ai plein de jokes, j'ai rien que de la speed. Gros, le problème du hood, man, c'est que ça a fucking changé, man! Gros, les OGs, ils respectent plus les petits. Yo, bro, je veux juste une dame, man. Pourquoi tu m'obliges toujours à taxer? Gros, lâche-moi ma fucking ta flat, man! Jean-Michel, moque-le pas! Moque-le pas, va prendre ça, Uber Eats! Vas-y, Jean-Michel! Yo, le gros, man! Ouais. Non, vous, on est trop gaillés, vous! Hein, on est good, on est good. Gros, je Ouais! Ah, il me tue, ce sketch, vous! Bien joué! Yo, bro, pour de vrai, ce personnage-là, je l'aime bien, man. Thanks, mon bro. Thanks, je l'aime bien, pour de vrai. Ouais, ouais. Ouais. Mais ben, toi aussi, quand même, hein? Bro, t'as vu ça? Ouh. Non, non, je suis là. OK. Les gars, man. J'essaie de lui voler. Attends, comme si abdominaux, tu te danses? Ah. 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 Quel poseur. Ah. Mais c'est ça, maintenant, pour de vrai. Yo. Non, pour de vrai, man, yo, gros sketch, les gars, pour de vrai, thanks, vous êtes en train de dead. Merci d'avoir été parmi nous, ça man, c'était exceptionnel. White V, tout le monde, monsieur. Félicitations pour Double Vision, bro. One love, Habibi. Merci. C'était chill, man. Merci.